April. You like hockey's back, don't you? Il déchire et il mord, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Primetime Bitch. Pour le 31, j'ai décidé de vous proposer une sélection de séries, tout en nostalgie. Une sélection qui fera ressortir la Madeleine de Proust aux enfants des années 90. Et puis quelques séries plus récentes qui vous tireront dans une ambiance halloweenesque et dodo. Et la première série de cette sélection, c'est Chair de Poule, la série horrifique adaptée d'après les romans de R.L. Stein, le Stephen King pour les enfants et les adolescents. Et celui qui, bien avant Stephen King, m'a introduite à l'horreur entre les masques maudits, les pantins maléfiques ou encore les parcs d'attractions hantés. Il y avait de quoi faire. Cette série d'anthologie a tout de même mal vieilli, mais elle vous embarquera dans un univers horrifique propice à Halloween. Tu peux le faire en stéréo ? Je m'entraîne. Tu as rapporté quelque chose ? Oui, oui, il faut que je vous montre ça. Tu l'as trouvé où ? Chez un brocanteur. Je l'ai eu pour une bouchée de pain. Ça m'étonne pas, il est cassé. Oh, tu n'y connais rien. Slappy est une pièce de collection digne d'un musée. Comment tu t'es abîmé la figure, toi ? En cherchant une blague. Je me suis cassé la tête pour toi. Et pour les plus vieux, il y a aussi la série Aux portes du cauchemar, diffusée dans les années 2000, et elle aussi a été adaptée d'après les romans de R.L. Stein. Toujours dans un univers d'anthologie horrifique pour teenagers, je rajouterais Fais-moi peur, qui était plus destinée à un public plus âgé. Mais elle n'était pas moins compréhensible pour les plus jeunes. D'ailleurs, la série a récemment eu un remake, plutôt sympathique, sur Nickelodeon, pour ceux et celles qui étaient fans de la série d'origine. Et c'est tout. Alors, c'était le vieux cinglé tout ce temps ? Non, regarde, comment il aurait fait les trucs chez le gars ? Peut-être bien que le vieillard était le vrai fantôme du clown. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu crois, Christine ? Est-ce que Zibou va passer chez toi cette nuit ? Désolée, Kiki, j'ai réussi. J'ai écouté toute l'histoire sans m'en aller. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je pense que c'est très bien, parce qu'on ne voudrait pas que tu fasses des cauchemars, n'est-ce pas? Fin de la réunion. Fais des bons rêves, Kiki. Dans un registre à la X-Files version Exit Sebum, Marshall et Simon fait partie de cette sélection série doudou Halloween made in 90-2000. Ici, on suit nos deux compères dans la ville de Erie, Indiana, qui sont en proie à des mystères improbables. À croire que leur ville n'attire que des phénomènes creepy. Cette série passait sur France 3 quand j'étais gamine, et bien qu'elle fût courte, elle m'a beaucoup marquée. Thank you.
ceux que ça intéresse, si vous lisez ce document, c'est que je serais mort ou que j'aurais disparu dans des circonstances mystérieuses. Je m'appelle Marshall Taylor. Il n'y a pas si longtemps, je vivais dans la campagne, pas très loin de New York. C'était un endroit pollué, avec des crimes dans tous les coins. Bref, j'adorais ça. Mais mes parents rêvaient d'une vie meilleure pour ma sœur et moi. Alors on a déménagé dans un endroit si propre, si tranquille, comme on n'en trouve qu'à la télévision. Malheureusement, rien n'était plus loin de la vérité. Et dans un registre assez similaire, Aux frontières de l'étrange fait elle aussi partie de ma sélection. Ici, on suit un groupe de rock en tournée avec leur famille et parmi eux une adolescente, Fiona, Fio, qui se passionne pour l'étrange. Et elle sera servie puisqu'au détour de leurs différents concerts, elle croisera des phénomènes du domaine du paranormal. La série est d'ailleurs disponible sur Disney+. Et une autre série, la série que je n'aimerais pas si elle n'était pas du domaine de la Madeleine de Proust, Le loup-garou du campus, qui nous embarquait dans les déboires d'un adolescent loup-garou. Son pote gothique avait d'ailleurs fait un caméo assez sympathique dans le film Suck sur les vampires, que je vous recommande fortement. Mission. Maintenant il te reste plus qu'une vie, c'est dommage. Et c'est reparti. Dès que je commence à être en colère, vexé, énervé, affolé ou jaloux, je me transforme. Par moments, c'est vraiment l'expérience la plus frustrante que je connaisse. Oh ouais, j'ai le lance-flamme, t'es foutu, je vais crier. Mais il y a des fois où c'est utile. Sans oublier dans le thème Madeleine de Proust mais pas très bon, je vous recommanderais aussi Sabrina l'apprentie sorcière qui a aussi eu récemment un reboot sur Netflix qui est plutôt pas mal. Il est beaucoup plus dark mais c'est très sympathique. La paix soit sur vous. Ça va être amusant de sortir avec Harvey. Ça va être très amusant. Et il y aura que nous trois. D'accord, on la plie de ce côté. Je t'ai déjà demandé à quoi il pense quand il regarde par la fenêtre. Bien sûr, que serait mon adolescence horrifique sans Buffy, la série parmi les séries. Celle dont j'attends un master Blu-ray convenable. Celle qui a révolutionné pas mal de choses dans le domaine des séries, et surtout en matière de personnages. L'épisode d'Halloween où les personnages de la série se transforment en leur déguisement m'a d'ailleurs pas mal traumatisée à l'époque. I'm a real ghost. Zelda ? Xander, it's me, Willow. I don't know any Willow. Xander, quit messing around. This is no time for jokes. What the hell's going on here? You don't know me? Lydia, I suggest you find cover. No, wait! Et petit plus, la BO de l'épisode musical que j'aime tant a été édité chez Mondo en vinyle et c'est un objet sublime, comme d'habitude. If something's come out wrong, we'll sing a happy song and you can sing along. Where there's life, there's hope. Every day's a gift, wishes can come true. With so well, you work so hard all day to be like other. Enfin, dans le domaine de l'animation, j'ai choisi Les Contes de la Crypte, la version animée sortie en 94-95. Cette version est beaucoup plus édulcorée que la version originale, afin de s'adapter à un public plus jeune, mais je l'aime tout autant. J'ai beaucoup cauchemardé du gardien de la crypte à cause de cette série. Des cauchemars et de l'horreur. Et bien sûr, n'oublions pas les séries animées de Ghostbusters ou encore Men in Black, dont les films originaux se prêtent aussi très très bien à Halloween. Et enfin, la série animée qui a bercé toute mon adolescence. La raison pour laquelle j'ai regardé Riverdale à mes risques et périls, Archie, Mystère et compagnie, la véritable version d'Archie qu'il faut découvrir et pas la version poubelle diffusée sur Netflix. Celle où Jughead n'est pas le tombeur de ses dames, mais un champion de gobage d'hamburgers.
contentera pas d'assurer le confort de notre collège. Bravo, continuez comme ça, monsieur Marchopin. Faut l'encourager à jacasser le plus longtemps possible, ça fera toujours des heures de cours en moins. Ça permettra d'abréger nos souffrances pour l'interro de madame Grandet. Ouais, ouais. J'ai craqué quand j'ai vu cette adorable petite chose en vitrine. Je vais la porter ce week-end. Rien que de vous en parler, j'ai le générique qui revient instantanément en tête. Archimistère et compagnie. Archimistère et compagnie. Et parce que je pense aussi à ceux qui ne veulent pas que de la nostalgie, je vais vous proposer trois autres séries pour vous mettre dans l'ambiance. La première, c'est la plus effrayante de toutes, mais celle que je ne pouvais pas ignorer, surtout pour Halloween. The Haunting of Hill House, adaptée d'après le roman culte de Shirley Jackson, cette série réalisée par Mike Flanagan est un tour de force, et surtout l'une des meilleures réalisations horrifiques toute époque confondue. Vous le sentez mon objectivité là ? Certains disent que même les alouettes et les sauterelles rêvent. Hill House, loin du rationnel, se tenait à l'écart près de ses collines, abritant les ténèbres en ses murs. Elle se dressait déjà là une centaine d'années avant que ma famille n'y emménage, et continuera probablement ainsi durant 100 autres. En son sein, les murs se tenaient droits, les briques s'alignaient, les planchers étaient irréprochables. Le silence pesait sourdement sur le bois et la pierre de Hill House. Et ce qui arpentait ses couloirs était singulier. La deuxième série sera bien plus légère et loufoque, il s'agit de Ghosts, qui nous embarque dans la nouvelle demeure d'Alison et Mike, qui vont devoir cohabiter avec de nombreux fantômes assez loufoques. Mais tout va prendre une tournure assez étrange lorsqu'Alison se retrouve avec le don de voir les fantômes. Ici, on est au sommet de l'humour britannique avec un soupçon de fantastique. This really is beyond the pale. Oh, has it happened again? You entered my room, you said George, and then threw yourself out of the window. Well, look, I don't even realize I'm doing it. Perhaps there's some deeply buried reason why you feel like you have to reenact. Maybe try jumping out of the window before bed. Get it out of the way. No, it's not so much the jumping, it's the screaming that's annoying. Yes, that's a compromise. Keep the jumping, but do it silently. Stay in hush whilst falling from a height. Et enfin, la dernière pour finir sur du feel good et encore du feel good, c'est une série qui vous fera rire aux éclats. What We Do in the Shadow, la série adaptée d'après le film sorti en 2014. Qui vous embarque dans le quotidien de vampires maladroits et plutôt paumés, mais tellement drôles et hauts en couleur. Cette colocation de vampires vend du rêve, et on en redemandera encore et encore, le tout avec des petits clins d'œil à la culture pop autour des vampires. Ça se consomme sans modération, je vous jure. Un muret enjambé tout au plus. J'ai un mot de passe très sécurisé, ok, Colin Robinson, mon mot de passe est une impénétrable forteresse. Ça y est, une impénétrable forteresse. J'ai de nouveaux messages e-mail. Fandango.com propose une projection du film de Blindside, L'éveil d'un champion. Et vous êtes notre invité. Date de la projection, le 8 octobre 2009. Oups, c'est passé. Je l'ai manqué. Non, Sandra Bullock, elle était absolument merveilleuse dans ce film. Et voilà, cette série de vidéos est finie. Et je vous souhaite un joyeux Halloween plein de doudous, de feel-good et de frissons à toutes et à tous. Et merci à Kevin qui a réalisé le visuel du calendrier, mon générique, mais aussi le logo de la chaîne. Nice story, but I've never even heard of this place. We want to trick or treat, not chase some phony myth from a phony Huey. If it is just a myth, then no harm in getting to the truth. Junior Woodchuck rule 60, whatever. Go in that house now! Vous retrouverez son site en description. À Alexia qui a collé mes sourcils pendant de nombreux jours afin de me transformer en Winifred Sanderson. Sa page Instagram est en description. Mais son destin allait connaître d'autres aventures, et ce grâce à la plus loyale, la plus belle et la plus majestueuse, la reine des fées de la Terre. Mais aussi à Cyril, le régisseur dans l'ombre qui m'aide à filmer mes vidéos, à fabriquer mes installations improbables pour me faciliter la tâche. Et les petites mains que vous pouvez voir sur les vidéos hors série.
Enfin, merci aux talentueux créateurs qui ont participé aux vidéos au travers de leur carte blanche et aux Watching Witches. Et encore un joyeux Halloween.